Un petit peu compliqué, c'est surtout dû au fait que je fais partie de cette génération de danseurs qui pensent que peut-être que la scène du théâtre n'est pas la seule scène. Donc j'ai tout de suite eu une approche très ouverte des différents lieux où je pouvais exercer la danse. Donc j'ai fait des spectacles sur les façades d'immeubles, j'ai fait des spectacles sur l'eau, dans des usines. Enfin, je fais partie de toute cette génération-là. Ça veut dire aussi du coup que j'ai rencontré plein de milieux différents. Et entre autres, j'ai travaillé avec des architectes. Enfin, et cette ouverture-là m'a amenée par le biais de ce groupe d'architectes, qui est un groupe qui s'appelait à l'époque Spirale, qui travaillait sur un projet d'habitabilité de la station Columbus. Ils étaient donc sûrs, ils avaient des problèmes d'ergonomie et tout, et ils m'ont demandé un jour de venir à leur réunion, et peut-être moi qui étais danseuse et chorégraphe, de trouver des solutions à leurs problèmes d'ergonomie. Et en fait, c'est comme ça que j'ai rencontré le milieu spatial. Et je pense que c'est vraiment à ce moment-là qu'il y a eu vraiment un basculement pour moi et une rencontre avec la science. Quand on expérimente l'absence de gravité, ou pour être plus précis, la microgravité, il y a en fait tout de suite une situation de perte de repère complet qui se met à exister, parce qu'en fait, on ne réalise plus, mais la gravité est une force tellement puissante sur Terre qu'en fait, elle l'emporte sur les autres forces. Donc on n'y fait plus attention, on ne fait pas attention à comment on marche, parce qu'en fait, on est complètement habitué à résister, à s'accommoder de cette force et d'en faire quelque chose. Quand d'un seul coup, elle n'est plus là, il y a vraiment un sentiment de vide. C'est pas du vide, mais il y a un sentiment de vide, un sentiment de perte de repère, l'impression de ne plus avoir de corps. En fait, on a le sentiment presque d'être plus que des yeux et une tête. Donc voilà, et donc c'est très troublant. Donc sur Terre, on est toujours très, très orienté vers le dehors parce qu'on lutte toujours pour aller plus loin, pour avancer, pour tout ça. En apesanteur, en fait, au contraire, il faut absolument recréer un dedans pour pouvoir avoir un échange avec le dehors, avoir le sentiment qu'il y a deux espaces. Il faut reconstruire un type de relation aux autres et un type de relation au milieu dans lequel on est, aux appuis. Il faut réinventer des appuis. Parce qu'en fait, nous sur Terre, on sent toujours, on a toujours un retour de poids. Là, il n'y en a plus. Donc c'est très particulier. Et en fait, c'est quand je me suis rendu compte que cette histoire d'apesanteur, c'était vraiment notre histoire de terrien. Ce n'était pas l'histoire d'un ailleurs. C'était notre histoire, et d'ailleurs on le voit bien, on a passé notre temps à inventer des avions, à vouloir voler, à vouloir faire tout ça, qu'au fond, je me suis mis à revisiter les gestes fondamentaux de la danse à partir de cette expérience de microgravité. Et par exemple, si je prends un exemple tout bête, la question de la verticalité. En apesanteur, c'est une vraie aventure. C'est une vraie aventure poétique, ça n'existe pas la verticalité. Donc on peut se raconter que c'est le lien qu'on fait entre nos pieds et notre tête. On peut se raconter plein d'histoires, c'est une vraie poésie. C'est une grande ouverture de pouvoir explorer cette absence de gravité, parce que d'un coup, c'est tous les possibles qui s'ouvrent dans la manière de bouger. Ça n'empêche pas que sur Terre et sur le plateau, il y aura toujours la gravité, mais d'un seul coup, il y a des possibles d'espaces qui peuvent exister déjà dans l'imaginaire et puis aussi dans l'expérience quand on peut aller expérimenter ces vols paraboliques. Ce n'est fait que de paradoxes, c'est-à-dire que, par exemple, le travail que je fais faire aux circassiens, qui eux sont dans cette question du vertige, dans cette question du risque réel, hein, de pouvoir vraiment tomber et de se blesser fortement, c'est que je les renvoie vers leur intériorité et finalement vers leur fragilité, parce qu'ils sont habitués à maîtriser le risque,
donc ils font ce qu'ils peuvent, ils peuvent parfois ne pas le maîtriser. Mais du coup, le rapport, ce que ça donne par rapport au public, c'est finalement quelque chose de l'ordre de la maîtrise et pas quelque chose de l'ordre de la fragilité. Et en fait, j'essaye de les faire travailler sur la lenteur pour faire exister plus leur corps, tout l'espace de leur corps, dans chaque prise d'appui, dans chaque mouvement, qui fait que du coup, eux aussi, ça les renvoie à la fragilité. Le propos de cette programmation ici, c'est justement de montrer, le cirque est un moyen de proposer d'autres appuis, d'autres espaces. On voit le trapèze, que d'un seul coup, on peut travailler en dessous, au-dessus, de tous les côtés. Et à la fois, de montrer que la manière de travailler le corps, d'inventer des appuis un peu différents avec son propre agrès, finalement, ça évoque cette question de la pesanteur, cette question de la perte de repères, cette question du vertige intérieur, qui est un peu notre préoccupation de notre monde moderne actuellement.